Yo, c'est Billy l'exterminateur. Aujourd'hui, c'est une mission un peu particulière, puisqu'un alligator a élu domicile dans la piscine d'une gentille famille américaine. L'alligator est un batracien venu tout droit de la préhistoire. Il est millénaire. Il est donc très très vieux, et aussi très très carnivore. Le chlore de la piscine le rend très agressif. C'est pourquoi je vais l'attraper par la queue en pataugeant en pantalon en cuir. C'est comme ça que font les vrais professionnels. Eh ouais, rock'n'roll ma gueule! T'as rien compris, Billy, tu t'y prends vraiment trop mal. Demande plutôt à un expert virage, l'alpha mal, t'es fragile, charlatan, il aura peut-être pitié de toi. Et t'apprendras un ou deux trucs, même si tu arrives, ça s'achète pas. Dis-moi, c'est quoi ton glace, Billy l'exterminateur? T'es sérieux? Tu t'es vu par la tête ou à ton cul? Sors de l'eau, gros boulet, arrête de jouer, tu vas te noyer. La natation, c'est pas ton fort, tu sens des ailes, le tien mouillé. J'ai envie de te jeter une bouée, mais souris pas, face de rage. Si t'achètes assez fort, je peux t'assommer, tu vas couler. Le maître nageur chez moi, mais cherche pas, je suis pas là, je suis occupé, je relue ta sœur, même si j'encloue de mes mosquées. C'est ton bouffe, c'est pas quoi de sort, rien à la foutre, proche sur toi, arrête de discuter, va me chercher du Viagra. On a envie de faire des bébés, mais je pense à toi et j'y arrive pas. Eh, hey, mais grâce à moi, tu vas être tonton, Billy. C'est chouette, non? Par contre, commence à te faire des couettes, mes gosses t'appelleront Tata. Exterminer un crocodile, faut pas croire, c'est facile. Tu devrais faire comme Gérard, tester une bombe dans la piscine. Boum boum, quand ça explose, tu prends la pause. Boum boum, tu t'es pété, problème réglé. Vas-y Billy, essaye, allume la mèche, soigne-toi le derrière, s'éloigne-toi. Mais dépêche-toi, ça va sauter, reste pas là. Cours plus vite, va se cacher, quand tu tiens trois sur tes doigts. Jette-toi au sol, roule-toi en boule, mais surtout, reviens pas. Oh bon sang, un hérisson géant! Je n'en ai jamais vu d'aussi gros! Comment vas-tu pour l'attraper sans me piquer les doigts? Il est aussi grand que les voitures qui sont derrière moi, c'est incroyable! Oh mais ils sont deux! Ils sont vraiment énormes, mais je n'ai qu'un filet à papillon, comment vais-je bien pouvoir faire? Regardez ce qu'il fait avec ses fesses, c'est extrêmement rigolo! On a la même coupe de cheveux, je peux peut-être devenir son ami. Ah, il attaque! T'as rien compris, Billy, tu fais vraiment n'importe quoi, c'est pas un filet qu'il te faut, t'as vu la gueule du bestiau, t'es comme Nicolas Hulot, respectons les animaux, écoute le conseil du pro, et jette-leur une bombe sur le dos, t'es un tueur de nuisibles, y'a un truc qui va pas, tu veux bien faire ton boulot, bah alors suis-tu de toi, t'as peur du petit bébé, t'es toute pleine de piquants, s'il veut t'offrir un cactus, tu vas partir en courant. Tu voulais l'attraper, mais Sonic t'a attaqué. C'est gâché, toujours bugué, la vidéo a coupé. Pour une fois t'avais raison, y'avait une ressemblance. Alors quoi, finalement, ta coupe de cheveux t'a porté chance? Le hérisson t'a savaté ou vous vous êtes accouplé? On peut savoir, Billy, comment ça s'est terminé? Bah pourquoi tu chiales? Tu t'es déjà fait larguer? Il a vu que t'étais une fausse blonde? Bah fallait pas le tricher. L'extermination d'hérissons, faut pas croire, c'est tout con, tu devrais faire comme Zézé, c'est une bombe dans ton terrier. Boum boum, quand ça explose, tu prends la pause. Boum boum, tu t'es pété, problème réglé, vas-y Billy, essaye, allume la mèche, mène-toi le derrière, s'éloigne-toi, mais dépêche-toi, ça va sauter, reste pas là. Cours plus vite, va te cacher, quand j'ai 4-3 sur tes doigts, jette-toi au sol, roule-toi en boule, mais surtout, reviens pas. Yo, aujourd'hui, je suis dans une maison envahie par les cafards, mais heureusement, j'ai amené mon petit aspirateur rose pour nettoyer tout ça. Les cafards sont des crustacés aux narines extrêmement développées. C'est pourquoi je vais les gazer avec mon tout nouveau déodorant. Même ma femme ne le supporte pas. T'as rien compris, Billy, t'es vraiment un amateur. Tu sais qui tu me rappelles? Lambert le sorceleur. Mais c'est vrai, t'es marié, dis merci aux EASB. Avec ta tête de consanguin, c'est vraiment pas comment t'as fait. Ça doit être avec un babouin ou la femme qui t'a allaité. Mariage pour tout, tout sauf Billy, il fallait le préciser. J'attrape mon couteau à beurre, il est un peu rouillé. Empêchons la contagion, approche, je vais te castrer. Appuie bien, diffuse bien, y'a des cafards partout. Vite ton déodorant, ainsi bien dans les trous, t'as du mal à respirer. C'est bon signe, continue, tes yeux commencent à pleurer, tu vas perdre la vue. C'est le bon moment, vas-y, sors vite ton briquet, allume une clope, tu vas voir, ça va te requinquer. Oh, tu fumes pas, Billy? Oh, mais c'est pas grave, ça va me permettre de continuer à chanter. L'extermination de cafards, faut pas croire, c'est bonnard. Tu devrais faire comme Zézé, c'était une bombe dans l'évier. Boum boum, quand ça explose, tu prends la pause. Boum boum, tout est pété, problème réglé. Vas-y Billy, essaye, allume la mèche, mène-toi le derrière, s'éloigne-toi, mais dépêche-toi, ça va sauter, reste pas là. Cours plus vite, va te cacher, quand jusqu'à 3 sur tes doigts, jette-toi au sol, roule-toi en boule, mais surtout reviens pas. Yo, c'est Billy.
Une femme m'a appelé aujourd'hui. Elle a un problème dans son jardin. J'espère qu'elle est mignonne. Oh mon Dieu, c'est un laidron. Bonjour, Billy. Ouais, salut. Alors, dis-moi ce qui se passe, madame. C'est quoi le problème exactement? Eh bien, nous avions planté du canapé, des salades dans le jardin. Et les putois sont venus et ont tout mangé. Très bonne nouvelle, les bestioles sont déjà prisonnières. Je n'ai plus qu'à aller les chercher et à les mettre dans ma glacière. Regardez, on dirait des perruques d'albinos. Alors surtout, faut pas faire trop de bruit, sinon ça va les énerver. Ça va, les bestioles? J'adore les bêtes. Le putois a un moyen de défense très particulier. En effet, il envoie un jet par son anus d'une extrême puanteur. C'est pourquoi j'ai prévu des bouchons. Le bouchon est en place, maintenant je dois juste résister à sa force titanesque. Par le petit Jésus, l'autre s'est enfui. Cette créature est stupide, elle voulait s'échapper à vélo. Elle n'avait pas conscience que même si elle était parvenue à monter sur le vélo, ses jambes seraient trop courtes pour atteindre les pédales. Elle n'aurait donc pas pu effectuer le mouvement rotationnaire qui permet de gagner de la vitesse. Allez hop, dans la glacière! T'as rien compris, Billy, tu commences à faire pitié! On dirait que tu sors du Hellfest, tu veux un pogo dans tes fesses, mais une bombe dans l'enclos, c'est pourtant pas compliqué! C'est quoi cette bagnole? Tu compenses ta virilité? Je vais te retourner sur ton capot, sur ton pare-brise, un coup de raclette, un essuie-glace dans ta narine, je vais te faire sauter la braguette! Tu vas crier si fort mon nom, tout le monde croira que c'est ton klaxon, j'ai rencontré M6 en clou, je peux plus m'asseoir, trop mal au fion! Mais baisse les yeux, regarde pas, baisse la tête, irate-toi méchamment, percée sur ton ablette, t'es lisse ta pièce, tu as peur, y'a erreur, t'as une gueule de noyeur, là ça sent la bavure, enfuis-toi à toute allure. Billy l'exterminateur, ou Gérald le sorceleur, le blaireau contre le loup, le laidron contre l'Apollon, même pas la peine de voter, on sait tout ce qui a gagné, si Gérald c'est une riche, personne pourrait la coter.